Il n'existe pas de crime parfait. Pas de crime sans faille. Fais le jeudi, fais le demain, fais l'après-demain. Il y a qu'on est quand même. Information, nous connaissons déjà. Il y a deux agences américaines qui participaient dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que il y a un agent, ancien agent qui a travaillé pour eux, qui a baillé au renseignement, qui ont même tout participé dans le président Jovenel Moïse. Mais est-ce que nous prenons du temps pour nous poser tête nous bonne question. Sous l'ordre qui est agent ça yo même yo rentré dans complot pour touyer président Jovenel Moïse. Qui est-ce qui t'a passé au l'ordre? Et c'est tout intérêt jodi an là nous pral garder encore une autre fois notion deep state là. L'état dans l'état. Puisque là n'a parlé de FBI en bas, n'a parlé de DIA en l'autre bas. N'a parlé de BINU, n'a parlé de corps groupe, n'a parlé de ambassade américaine, n'a parlé de Pamela White, n'a parlé de Michelle Season. Donc, gros paquet éléments de réponse là, nous prenons le poté pour vous. Donc, déjà, nous invitons à partager la vidéo. Si vous faites tomber sur channel là, abonnez. Et toujours songez à activer la cloche notification, comme ça, vous allez être connecté. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Ou sous TAC 609, tout haïtien connecté. Ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est un grand plaisir pour nous parler pays, pour nous faire débat et pour me retourner sous des éléments extrêmement importants pour aujourd'hui là, dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, puisque déjà plusieurs fois nous parlé sous yo et fanatique fidèle émission qui toujours suivent chaque émission, yo connaît pertinemment bien que jodi an la tout ça qu'a parlé là yo, c'est des bagages qui étaient prédits déjà, c'est des bagages qui étaient qu'on dit déjà. Mais l'extrêmement important pour qu'on ait l'un a fait analyse politique, l'un a analysé des faits qui produisent déjà des faits qui ont même gagné des acteurs politiques derrière, des faits qui gagnent des acteurs dans la communauté internationale derrière. Donc c'est toujours un plaisir pour Yannick une bonne information, c'est toujours un plaisir pour Yannick partager l'information avec et mettre sous bonne piste en bonne voie. Donc, préparez-vous là. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Pas gagné comme décision qui prend un dossier assassinat président Jovenel Moïse. Que ne peut parler sous lui déjà. Sinon que. Et dernière décision en date là que gouvernement américain lui-même lui prend côté que tribunal Miami rend ordonnance pour mettre preuve qui concernait assassinat président Jovenel Moïse sous scellé. Il classifier information ça. Gen bien longtemps m'a parlé nous de notion qui relie dit state et moun ki fidèle fanatique fidèle émission c'est pas première fois yo tande notion ça c'est pas première fois n'a parlé de un petit gouvernement américain qui gagne en Haïti là l'état de l'état jodi an là nous pral répondre avec des questions qui essentielles parce que si gagne moun qui ont même participé à l'assassinat président Jovenel Moïse, qui au plus haut niveau du gouvernement américain, qui fait partie de deux agences aux États-Unis, n'a pas l'eau de FBI, n'a pas l'eau de DIA. Maintenant, c'est sous l'ordre qui est-ce qui a participé dans le complot, c'est qui est-ce qui t'a passé au l'ordre, qui est-ce au niveau de CTU qui était en collaboration avec responsable. Donc là, un gros ensemble d'informations où doit connaître, un gros ensemble de questions nous pour répondre pour vous et faut que tout là pour comprendre. Pas oublier. L'autre ancienne ambassadrice américaine non, Pamela White, lui-même par rapport avec hostilité qu'il a gagné avec Jovenel Moïse, c'est comme si Pamela avec Jovenel Moïse, il était tourné l'état citoyen.
Parce que yon entre dans logique, Jovenel Moïse pa gen droit prendre décision pour le faire référendum, Jovenel Moïse pa gen droit prendre décision pour changer constitution, Jovenel Moïse supposé rester en bas tutelle exclusif yo pour la prendre l'ordre nan mais seulement, mais ça qui gen pouwe avec et des décisions la prend en dedans péril pour peuple li pa gen droit ça. Maintenant nous trouvons nous dans situation côté que Pamela White li t'a participé et non yon prise de parole avec Congrès américain et puis li te fait connait que Jovenel Moïse supposé rentrer dans cadre d'option et c'est là il te venir avec concept option de premier ministre puisque Jovenel Moïse son élément embêtant lié son élément nuisant lié dans tête pays c'est quoi ça Pamela White te wel donc faut que Jovenel Moïse mais faut que mette Jovenel Moïse de côté et puis venir avec corruption de premier ministre et là tout ou pral venir joindre Ariel Henry cap diriger tête pays 9 mois après pour qui ça Pamela White lui-même li était rentré dans logique pour Jovenel Moïse rester option de premier ministre pour qui ça Pamela White li était dans tout laisser frapper ça avec Jovenel Moïse est-ce que réellement c'est pour des raisons et de changement de constitution. Est-ce que c'est pour cause référendum non? Ou bien problème yo t'es allé au-delà de ça. Pas oublier, même Miami Herald, même New York Times, même deux journaux américains ça ont sorti et des articles à plusieurs reprises qui parlaient que Jovenel Moïse lui-même lui t'a gagné obligation pour dresser une liste et dans liste ça t'a gagné des hommes politiques en Haïti, des hommes d'affaires en Haïti, des séries de monde qui étaient dans le gouvernement, qui alliaient le gouvernement Jovenel Moïse, qui étaient dans le gouvernement Jovenel Moïse, soit qui t'a fait trafic de drogue, soit qui t'a fait trafic d'armes, et que le gouvernement américain, même, yo te gagné dans le viseur, yo te gagné dans le collimateur, yo te gagné un projet pour arrêter Moïse et déporter, extrader vers les États-Unis. Kounya. Est-ce que dans la situation Jovenel Moïse, Jovenel Lamol, dans la situation assassiné Jovenel Moïse, est-ce que réellement c'est dans quatre dossiers, moun sa yo, moun qui t'a fait trafic de drogue, trafic d'armes, ou bien c'est ça yo utilisé comme en couverture, yo utilisé comme en couverture pour cacher vrai problème yo gagné avec et défunt président Jovenel Moïse. On va rentrer dans la notion deep state là, l'état dans l'état. Nous gagnons autorité haïtienne, nous gagnons Haïti là, qui c'est pays. Mais, en dehors du fait que, en Haïti, nous gagnons pouvoir politique, nous gagnons pouvoir public, nous gagnons des autorités qui n'ont tête l'État qui prend des décisions, ça n'a pas empêché qu'au niveau du corps groupe, ou bien, dans binuant, différents pays qui constituent comme te carré ça petit collège ça yo parce que l'on parle de bin on parle de corps groupe jodi an c'est différents pays qui mettent tête ensemble qui en dedans propre pays ou yo même c'est pour prendre décision pour ou c'est eux même qui pour nous faire à droite c'est eux même qui pour nous faire à gauche parce que autorité nous gen là yo pas camper derrière décision y a prend soit parce que tout intérêt ou bien majorité intérêt c'est États-Unis, c'est dans pays moun sa yo liye, ou bien tout parce que yo genye bagay ki wong yon fè, yo nan trafic d'armes, yo nan trafic moun, yo nan trafic stupéfiant. Donc, yo pa vle pou yo pran kòd, yo oblige fè exactement sa blan mande yo pou yo fè. Ou jwenn ambassade américaine ki nan tabò la. En dedans ambassade américaine, ou face avec un groupe diplomate qui yon même yon mette tête yon comme moun qui gagne obligation pour prendre décision pour gouvernement haïtien pour président pays en plus fois qu'on tende yon dou c'est ambassade américaine qui fait choix de déjà la police c'est ambassade américaine qui fait choix qui est à mettre dans BRH la banque centrale pour qui ça parce que même au niveau de l'ambassade américaine, on peut comprendre que gagne deux clans. Gagne deux clans qui a confronté ou un clan économique ou un clan politique. Parce que diplomate ou yon vin en Haïti là, pas penser yon pas gagne intérêt économique yon tout. Nègre vin en Haïti, li en mission pour 2-3 ans, en mission pour 4 ans. Pendant 4 ans ça,
Pas parce que c'est ça, c'est frais pays la Bali, non, comme salaire. Pas parce que c'est lui-même, non, lui repose tout l'esprit sur lui. Parce que en Haïti, nous connaissons le principe là déjà. Nous connaissons comment négo, yo range tout cause, yo fait tout affaire en façon pour yo prendre le contrôle politique là, et depuis yo prend contrôle politique là, automatiquement yo prend contrôle économie pays là, parce que tout bagay ça yo lié en Haïti. Donc moun sa ou ki gen intérêt économique au niveau ambassade américaine, yo gen à travers politique ka fait en Haïti là. Yo gen au niveau de comment politique la fait, est-ce que politique la li respecte règle jouet là? Est-ce que politique la son politique bamboche ka fait? Est-ce que politique la son politique mafia ka fait? Est-ce que politique la son politique de corruption ka fait? Et c'est là où pral répondre question qui pral abouti avec véritable réponse sur assassinat président Jovenel Moïse. L'état dans l'état. Ou prenez exemple qui ambassade américaine, ambassade Canada, c'est autorité ou c'est chef yo. C'est au cap coupé, c'est au cap raché, c'est au cap fait, c'est au cap défait. Et à plusieurs reprises, nous faisons constat. À plusieurs reprises, il y a des décisions qui pour prendre par mon côté exécutif là. Une fois que binu sorti note ou te mettre tande au président pour le parler. Ou te mettre tande au président pour le parler à 4 premier ministre pour aller à 4 etc. Aussitôt que notre binu sorti, notre corps sorti, tout est fini. Parce que c'est eux qui décident. Maintenant, c'est qui est au niveau de Mounsao qui constitue Tieta au niveau de l'État haïtien, qui a mené politique deep state là, qui vraiment te gagné un paquet d'intérêt économique pour yon perdu avec un ensemble de décisions que le président Jovenel Moïse te prend. Ah oui, ça extrêmement important. Bon, pour cette toute question. En plus, il faut attendre, président Jovenel Moïse a loué hélicoptère. Loué hélicoptère pour faire déplacement. Loué hélicoptère et pour aller dans ville de province pour faire des tournées, etc. Nous toujours attendre, CSCC a un rapport corruption qui gagne en plus, fois dans contrat hélicoptère. Autant d'hélicoptères, c'est pour Chérif Abdallah. Mais Chérif Abdallah, ce n'est pas un citoyen haïtien. Chérif Abdallah, nous toujours dans des palos, c'est eux-mêmes qui mettent l'hélicoptère, la présidence qu'on loue, mettent l'hélicoptère, premier ministre qu'on loue, etc. Mais son diplomate étranger lié. C'est un diplomate qui était en mission en Haïti, et comme s'il tombait dans Haïti, et puis depuis lors, il collait là dans le pays, c'est faire pompe gaz, depuis lors, il collait là dans le pays, c'est faire contrebande, il a participé dans tout la corruption, et finalement, l'homme a joint Jack Johnson comme journaliste étranger, qui lui-même écrit des articles, bail des éléments de formation. Sous niveau corruption exagéré en Haïti, c'est grave. Bra di on bagay. Ou konn comment yo fait pratique en ici? Bra di comment nèg yo exercer influence yo dans concept de deep state ça. Ou joine au niveau ambassade américaine par exemple, ou joine et ambassadeur ou ambassadrice, tout dépend. Ou joine gagne consul honoraire, ou joine moun ki constitué c'est corps diplomatique ou bien service consulaire là qui là. Mais moun sa yo, indépendamment du fait que yo même yo gen pouvoir, yo gen ligne à suivre, yo gen travail, yo vin ba yo fè ambassade américaine, mais comme yo konnen pratique la comment li ici nèg ka fè politique, toute famille yo prend yo vole l'argent pays, yo serre les États-Unis, yo serre le Canada, l'autre pays yo. Donc yo joué sous ça. Comme nèg sa yo pa gen aucun intérêt en Haïti, nèg sa yo pa gen aucune volonté politique pour changer conditions vie monde. Donc pour yon fè nèg yo tourner ti jouet tapil yo ti marionnette yo en pile fois toujours tande yo dou yo pral couper visa intel yo prend décision pour couper visa intel ou bien couper visa intel. Donc aussitôt que nèg la compte toute famille et l'autre bord de la série tout l'argent le voler dans pays c'est États-Unis là le dépenser là l'investir nèg ça yo ka fè ça yo vle. Yo gen temps, yo gen pouvoir, yo gen toute liberté, yo pou yo fè nèg sa fè sa yo vle. Et c'est comme ça nèg yo fè influence sur travail, yo fè influence sur fonctionner sous scène politique là.
Qu'on pas qu'une décision qu'a prend au niveau ambassade américaine. Qu'a prend pas bon côté ambassadeur, qu'a prend pas bon côté consul. Et c'est Jean Daniel Fou dit là. Nèg sa yo wè, en pile consul, en pile ambassadeur, ambassadeur en Haïti là, c'est monde comme si qui pas vraiment gain poids dans diplomatie américaine dans l'autre bord qui pas vraiment ka utile. En dedans pays yo et puis yo voye en Haïti et comme si nèg ki pi konpu yo sak pi pa bon yo sak participe nan tout magou yo c'est Haïti yo voye yo nous fait expérience ça nous fait expérience ça majorité moun ki passe nan tête ambassade américaine kou yo alo toujours tande scandale de corruption ou toujours tande influence yo nan mauvaise décision politique qui prend soit yo te influence en élection qui te fait yo mete président yo. Soit yon influence yon élection qui pral fait pour yon mette moun pa yon. C'est comme ça toujours. Donc là, et ça faut de yon dou FBI avec DIA non complot. Yon participe nan assassinat président. Et pour yon congrès américain yon même. Pour yon congrès yon mandé pour yon enquête loge qui fait. Pour yon congrès yon mandé pour yon bay tout élément comment et assassinat président Jovenel te fait, etc. Tout moun qui participe. Ou pense yon jom yon enquête après. Résultat enquête là j'aime qu'arriver au niveau congrès américain vraiment nous penser congrès américain j'aime vraiment connait qui ça t'a fait qui ça pas fait parce que c'est même FBI c'est même DIA c'est même moun ça qui doit venir sous terre pour enquêter encore donc là toujours flou là toujours flou information véritable information pas j'aime qu'un rapport enquête ça yo. Donc c'est normal pour nous que dossier un élément de formation yo preuve yo y a classifié yo non intérêt nous non intérêt sécurité américaine non parce que imaginons pour ta dou réellement oui noir sur blanc yo dou le FBI a été rentré là yo té allé caï président Jovenel Moïse yo té sorti avec plusieurs enveloppes jaunes yo té sorti avec mallette etc. C'est eux même qui té volé c'est eux même qui te prend serveur caméra. Par exemple, c'est eux qui t'a prend serveur caméra. C'est eux même qui t'a prend téléphone président. C'est eux même, comprendre ensemble d'éléments de preuve qui t'est utile avec DCPJ, qui t'est utile avec la justice haïtienne si t'a fait travail tout bon ou t'attendais c'est dans FBI. Donc là, c'est foutu. C'est foutu. Et c'est en constance ça yo. Situation ça yo. Le fait que ou pas joindre DCPJ qui a enquêté pour connaître réellement côté bagaille ça côté serveur caméra pour enquêter pour connaître côté téléphone Jovenel T côté téléphone n'a pas aujourd'hui et comme si ouais même au niveau de la DCPJ gagner des moyens de pression que même nèg sa yo exercé les a parlé de yo bat bravo pour coordination qui te gagné en DCPJ avec FBI en DCPJ avec DIA tout ça c'est pour façade c'est pour la galerie mais on connaît pertinemment bien et moun qui a fait analyse sa yo moun qui a étudié fait yo moun qui a regardé chronologie depuis 7 juillet depuis le assassiné Jovenel jusqu'à jodi an moun qui a regardé qui décision prend qui est-ce qui prend décision déjà comprendre que oui au niveau des États-Unis d'Amérique pas rien qu'à régler vraiment nous gagne deux produits ça yo qui c'est gains outils et gains bam yo chaque vini dans trois phases trois étapes trois dosages yo chaque c'est pour un mois utilisation pour faire un traitement de 90 jours chaque dans gains outils ya, c'est une pommade qui est faite à partir de 8 produits naturels qui pral décalcifier corps carveneux, tissu spongieux pénis là, pour augmenter élasticité tissu, bien bam, li là pour optimiser santé générale, li composé à partir de 13 plantes médicinales, et but ultime, c'est faire organisme produit en pile hormone testostérone, qui pral barou, ça brûle libido, li pral faire sans vin plus fluide, pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme, pour qu'à joindre une érection plus ferme. Pour plus d'informations, relevez dans 514-886-9776. www.zesofmoringa.com. Nous allons parler avec M. Stanley Lucas par rapport avec tout ça qui se tient dans le Miami-Herald, d'un côté que le gouvernement américain. Il a pris une décision pour classifier ensemble de preuves dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Qui vient pour avec et des informateurs, des agents qui ont même travaillé pour des agences au niveau
et FBI avec Didier, qui ont même impliqué tout dans le président Jovenel Moïse. Monsieur Lucas, bonjour, bienvenue dans l'émission Mon Éditorial avec Yannick. Moi, salut Yannick, et moi, salut tout auditeur. Yo. Et malgré nous, bon, la fièvre, qu'à fin de fois, nous dit que pour la justice, pour la vérité, la démocratie, pour le pays, n'a pas répondu présent quand même. Merci, merci. Ben oui, monsieur Lucas, et rapport et 10 articles sortis là et il fait président de la République on est un peu ému parce que yo ouais au niveau du gouvernement américain et décision ça qui prend là pour classifier un ensemble de preuves dans ce plan parce que et en Haïti tout le monde est censé mettez tout focus sur ça pour régler au niveau de la justice américaine, comment ça va finir avec le dossier Jovenel Moïse, parce que il y a plusieurs présumés suspects qui n'ont pas. Et puis ces nouvelles là qui tombent là, ou même comment recevoir ces nouvelles là? Bon, ça a confirmé, ça me dédou déjà. Moi, je me dédou deux bagailles. Je me dédou dans le monde qui touille le président, il y a un blanc, il y a un national, yo. Et puis, il y a un complice. Yo. Nan blanc, yo, gen yen blanc américain, à travers compagnie CTU qui participe dans tout le président. Moi, je tout sous garde tweet John Joel Joseph te fait 6 février 2021, qui est jusqu'à présent qui sous compte li. Côté li, dit recevoir l'autre département d'État pour l'albran président. Nous connaissons que le président Biden, secrétaire d'État Blinken, yo même, yo te dit que conformément à la constitution pays d'Haïti et décret électoral, mandat président Jovenel Moïse, c'est 7 février 2022. Et laisse à noter d'où est-ce que, en gouvernement américain, gen des blancs, car l'entrée non logique tout le président, sans président américain pas au courant, sans secrétaire d'État des États-Unis pas au courant, qui est-ce qui gen pouvoir faire ça sans président des États-Unis? Donc, question ça, nous n'avons pas de réponse à lui-même. Nous sommes parmi les étrangers, nous avons deux Dominicains et deux Colombiens. Dans le temps, nous avons nationaux, nous avons oligarques Pétionville, où depuis 7 juillet, dans la manifestation, côté peuple Atalmarie, Colombien, depuis 7 juillet, peuple a cherché Original Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, comme oligarque qui participait dans tuer président, vidéo 7 juillet, là, pour montrer côté peuple a dit, ou bien maman pour la, qui nous a dit pour lâcher, mais. Mal fini par de tout et le cons pour ça, et peuple a dit qu'il va chercher Boulos. Ou bien, politicien traditionnel qui touille président, Nagini Théo, Ariel Henry, Badjo Joseph, John Joel Joseph, et ou bien, Nagini PHTK, Michel Matéli avec Beaufrel Kiko Saint-Rémy, ou bien deux juges dans la Cour de cassation, Wendell Koch avec Vikelda Brésil. Au conseil de l'autre diaspora et nèg politique tant que docteur Sanon il a trié et pour les policiers qui ont infiltré dans commandement la police là dans USGPN dans USP et dans quatre teams donc qu'il y a qui ça m'était dou dernière fois dit que américain yo gon histoire dans pays d'Haïti m'était dou dans interview m'était faire avec quoi si information yo. Yo pas dans intérêt sécurité nationale des États-Unis, yo pas quitter au sorti. Dédou ça, ou pas soyez m'dédou ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et m'dé bon exemple, enquête Mireille Diou chez Bétain, les Aristide Fintouyel en 1995, FBI te joint tout le monde qui touye Mireille Diou chez Bétain, Aristide te voye touye, parce qu'il pas dans intérêt national des États-Unis, rapport a été classé. Soit regardez l'autre vidéo agent spécial d'hier qui dit clairement que et yo même yo fin kembe toute preuve tout élément qui montrait Aristide dans trafic cocaïne c'est lui qui représenté Pablo Escobar en Haïti les dit pour l'arrêter yo dou yo recevoir un coup de fil politique qui dit pas arrêter Aristide parce qu'il pas dans intérêt national une série de municipes. Donc, je vous dis, à l'MT fait une interview avec vous, il y a 3 mois de ça, dédou clairement que, il y a des éléments, si vous n'avez pas l'intérêt national des États-Unis, vous n'avez pas quitté au passé. Ce n'est pas même Jean-La Kainou, côté qui dans l'institution, vous mettez tout bagaille dans la rue, tout bagaille discuté dans la rue, ici, tout bagaille pas discuté dans la rue.
si bagay la pa nan intérêt national des États-Unis, et ou gen doit même pour repasser ti vidéo nèg di a qui t'a parlé a, ka bon détail yo. Et puis, vous allez comprendre, à regarder le dossier Mireille Diouf Chibetien, vous allez comprendre. Par rapport à tout ça, est-ce que je dis là, le fait que le gouvernement américain prend décision pour classifier un ensemble d'éléments de preuve, est-ce que ça va constituer un torse pour justice pour le président Jovenel Moïse? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a bagaille ça de bon oeil. Non, mais moi, c'est tout ça. Et dans la relation internationale, pays n'a pas des amis, pays n'a pas des intérêts. Ou l'institution chaque pays se défend l'intérêt pays. C'est nous-mêmes dans Capanouan, un groupe de monde dedans pays d'Haïti qui campe en face pour nous bâtir institution qui ca défend l'intérêt nous. Premier groupe monde qui campe en face qui empêche nous bâtir institution l'état qui ca défend l'intérêt nous et intérêt peuple là, c'est oligarchio. Je ne dis à raison qui fait que la justice bloquée dans le pays d'Haïti, c'est parce que ou bon mafia judiciaire dans CSPJ, dans le coup de cassation, dans le coup de compte, dans le tribunal de première instance, qui a bloqué la justice, et c'est toi, oligarque Pétionville, qui contrôle les mafias judiciaires. Donc tout autant que ou pas bâti des institutions de l'État qui a défendu l'intérêt pays, par rapport à oligarques qui met ton système côté au capturer l'État, c'est pas seulement pouvoir judiciaire au capturer dans 50e législature sous 29 sénateurs, il était contrôlé 28 sénateurs, il était contrôlé 21. Le président Jovenel Moïse a essayé retirer griffe oligarques ça en dans pouvoir exécutif là côté au tap voler dans blackout, dans surfacturation route, dans gaz, dans ONA, dans BMPAT, dans APN, dans BRH, dans BNC. Le président Jovenel a retiré griffe oligarque ça yo ak système pesé sous CEO Metea, et ben nèg yo tué un président de la République pour ça. Donc ça montre que bâti en société démocratique goumé pour que justice stable dans pays a, pour gagner égalité des citoyens devant la loi, c'est bon petit goût mais rase que lié. Je vous dis, si c'est vous même Yannick femme tête graine, moi même petit nèg noir tête graine qui font bagaille ou bien qui pas font bagaille dans pays a, ou suspecte nous, nous t'ap gen tan détention préventive pour 2 ans, même la justice pour juger nous. Laissons l'oligarque Pétionville qui fait crime dans pays a, la justice pas ka manyen yo. Parce que c'est eux qui ont contrôle pouvoir judiciaire, mafia judiciaire qui n'a coup de cassation, coup d'appel, tribunal première instance, coup de compte dans CSPJ, c'est toi oligarque qui contrôle lui. Donc ça a passé là aux États-Unis, montrer nécessité, non seulement pour nous battre en justice, mais pour nous bâtir une infrastructure de sécurité nationale qui a protégé nous toutes, qui a intelligence, qui a l'armée, qui a la police et qui a un système judiciaire fonctionnel. Pas que personne qui a fait rien pour nous. Okay. C'est nous pour bâtir, ça nous besoin pour avenir nous. Donc là, on a regardé depuis après l'assassinat président et où tu as un rapport en tant que décision qui sorti. Mais nous pas gagné indexation qui fait par rapport avec moun sa yo nous constituer comme qui fait partie de l'oligarchie qui se chef plan économique là. On a parlé de groupe Boulosan, on a parlé de groupe Evoblan. Moun sa yo pas paraître de manière comme si de manière personnelle n'a aucun rapport qui fait. Et je dis là qui gens pour yo faire paraître dans rapport. Ah, c'est eux même qui contrôle, c'est eux même qui contrôle les mafias judiciaires. Ah bien c'est 7 ça. Juillet. 7 juillet, le peuple a sorti les marées colombiennes. 7 juillet, le peuple a cherché Boulos, l'a cherché Vob. Ou pas ouais vidéo 7 juillet à côté peuple, ou pas toute manifestation qui fait n'importe de peine au cap. Le peuple a demandé arrêter Boulos, arrêter Vob. Est-ce que y'a jamais arrêté Boulos, y'a jamais arrêté Vob, malgré ce qui est impliqué dans tout le président? Mais, ou est vidéo côté peuple dans ma manifestation là doit arrêter boulot s'arrêter hop mais ça là que mafia parce que bon élément pour garder bien et qui est-ce qu'elle prend juge c'est pour ça et Yannick ba yo pas petit sinon Yannick on faut yo regarder et faire peuple regarder sous taxe 509 ou même Foucault avec l'autre zambi qui sous qui dans l'émission ça, voyez-nous regarder vidéo côté André Michel prend
Joseph Mécène, là, il fait discours comme quoi le président provisoire pays a, alors que ça n'a pas existé dans la constitution, comme président de cassation, qu'il y a un président provisoire. OK? Ça veut dire que qui est-ce qui prend Joseph Mécène, qu'il remette lui, ben André Michel, Reginald Boulos? Les bons juges, coup de cassation, pays nous, qui c'est crème de la justice, on est qui censé connaître la loi et la constitution, hein? Nègla quand même mal prêté serment lorsque dans la constitution début finalement dès l'an 2009 jusqu'au la cassation par président provisoire encore c'est même oligarque ça et au cal prend juge Vikel da Brésilé Wendell Kok et mettez-le dans touyer président tout autant pas résoudre problème ça pays a pas pas aucun côté non à l'époque pas de exemple qui était tracé hein, parce que moi pense pas bien qui ça à l'époque pas de exemple qui était tracé parce que on juge on connaît parfaitement bien qui sa constitution du et comment on monde ka vini pour connaître ces premiers ministres qui a occupé poste le président par là ou décider rentrer dans logique ça c'est usurpation et je pense que à l'époque j'étais supposé mais c'est Samdou oligarque tellement pour yo bali pour yo tracer exemple bon yeah, mais c'est Samdou Yannick étant donné que oligarque gen contrôle institutionnel et faut me féliciter nous même dans taxe 509 parce que grand groupe de journalistes engagés jodi a qui existait sur YouTube si c'est pas nous mêmes comme journalistes engagés qui travaillent pour bâtir un pays côté institution marché normalement côté au lieu gon économie pesé sous ce qui chita sous monopole ou gon économie qui chita sous compétition politique si c'est pas nous mêmes journalistes engagés ça qui sur YouTube dossier enterré déjà. Moi-même, Mabdou, franchement, un ensemble de journalistes engagés qui sont sur YouTube, qui ont l'école, qui ont cohérence, qui ont une démocratie normale fonctionner, comme une économie normale fonctionner. Les Mabgade, non, si ce n'est pas nous-mêmes, réseau journalistes engagés, ça a eu. Quelques autres journalistes micro, mais pas en pile. Si ce n'est pas nous-mêmes, dossier enterré déjà. Et même dans les journalistes engagés, ça a eu. Moi, c'est même ça, il y a les oligarques qui sont arrivés sous lui. Ah bon? Mais ah, moi la changé bouche li, moi la attaqué Rockefeller Vincent avec Bedford Claude, si c'est pas Rockefeller Vincent Bedford Claude depuis DCPJ. Je dis à nous pas bon l'idée dit tout de qui est-ce qui touye président parce que le 7 juillet, les nèg fin touye président, c'est n'a pas les directement que t'a parlé. L'effet que peuple a maré colombien, nèg yo vin obligé, nèg qui touye président vin obligé dans maron. C'est ça qui permet que Bedford Claude, Rockefeller Vincent, DCPJ qui est en fond enquête. Si ça n'a pas fait là, pas d'abri justice pour le président Jovenel Moïse. Nous pas d'abri dit tout qui est ce qui tout est là. Juste là, aujourd'hui, là, nous avons espéré que la procédure à reprendre parce que là, nous ne pouvons pas dire que les doyens pas mettre en justice sur le sujet. Non, doyens, on ne pas faire doyens en confiance, doyens en main oligarque. Comment on voulait pour Bernard Saint-Ville, on est qui étudie droit? Il y a presque 25 ans, 30 ans d'expérience, ou droit à un tribunal première instance. Ou connaissez Ariel Henry qui nommait Chavannes Etienne comme juge. Et puis, Ariel Henry qui est impliqué dans tout le président, lui nommait Chavannes Etienne comme juge. Et puis, c'est même Chavannes Etienne ça va le mettre sous dossier Jovenel Moïse là, qui est obligé de porter tête lui. Même Bernard Saint-Ville, c'est lui qui a le prend. Et Mélan Bélab, bras droite Josué Pierre-Louis qui a essayé d'enterrer le dossier à Boumadeli et Josué Pierre-Louis avec beau-frère lui Kenson Edume qui a essayé faire raquette judiciaire dans le dossier Sogenéa et pour la laisser faire fabrication sous Martine Moïse deux nègres au dossier Josué Pierre-Louis avec Kenson Edume c'est beau-frère John Joel Joseph qui participe dans tout le président pas dit qu'on s'est mis Mélan Bela bras droite Josué Pierre-Louis sous dossier. Vous avez dit que Bernard Saint-Ville en cours de cassation. Je suis marché avec Ariel, Oligarque, Matéli et Latrier pour enterrer le dossier. Je n'ai pas fait Bernard Saint-Ville confiance encore moi-même. Finalement, c'est moi-même. Donc, et par rapport avec l'implication présumée pour le ministre Ariel Henry dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, et pourquoi gagner un niveau d'implication pour qu'il statue le gagner là-dedans? Et donneur d'ordre. Regardez, je suis impliqué directement dans tout le président. Allez-y que pour élément qui gagne au niveau judiciaire, pour implication, monsieur, dans tout le président, menti que le journaliste américain Jake Johnson, côté le dit, le baron et Badio Joseph, après ça, et interférence que l'a fait
dans la justice, dans essayer de bloquer le dossier judiciaire, les monter sous scoop FM pour intimider la police et la justice. Pour le dire comme ça, que li kon Badjo Joseph, li pa kwe ki Badjo Joseph impliqué. C'est Caponel, tap Caponel. On paquet enquêteur DCPJ qui fait interview dans CNN. Côté li dit clairement que soldat colombien yo innocent pa lage yo. Alors que président colombien Ivan Duque dit clairement que depuis enfant yo dérapé, li gen élément et preuve nan mel qu'il recevra d'intelligence militaire pays, les services d'intelligence nationale pays li, que soldat yo te connaît, yo t'a pral touye président avant même que yo déplacé quitté la Colombie. Donc a rien impliqué juste dans zone touye président. Bien entendu, la travail pour Michel Martelly avec Oligat Pétionville, il n'y a pas l'autre option que casser faire couvrir ça. En 10 mois, 7 mai, a fait 10 mois depuis que tout le président Jovenel. En 10 mois, monsieur fait 19 obstructions à la justice. Donc, je connais, dans le commencement de l'émission, on dit que Santo Pato fait une forme, non, pas trop un beau trop. Et avant dernière question, monsieur Lucas, qui est-ce pour un travail de pays ici en la même? Et dans le dossier Jovenel Moïse. Dans le dossier président Jovenel, là, pas qu'à faire espoir, pas qu'à Jésus là-dedans. Son rabat Californie qui t'a dit ça. C'est gourmet pour nous riser côté de Braléa. Nous connaissons qui obstacle qui vient devant nous, qui qualité mis et blocage qui vous mettez devant nous, toute menace à intimidation qui a fait coup de cob, qui a bail, pour ne pas parler de dossier dans la radio. Nous connaissons tout le bagage ça. Donc, comme les Haïtiens sont peut-être tétiqués, même les colons ont dit bon Dieu était fort pour esclaves, les peuples ont dit l'élevé campé 18 novembre 1803 pour caler au chambre, caler Bonaparte et dans la bataille de Vertières. Bon, confrontation pour le faire dans le pays. Parce que un petit groupe nèg qui est là dans les oligarques et politiciens traditionnels, ils ne peuvent pas faire un pays ça. C'est nèg qui a capté les guides de gang yo. Pour qu'on distraction, pour nous pas chita sur le problème réel pays. Et moi, je pense que y a une confrontation démocratique qui vient pour le faire. Entre force fait noir, qui n'a tout kidnappé, tué et qui a supporté gang, et force démocratique pays qui a besoin de construction de démocratie, un pays qui a une opportunité économique, côté tout le monde qui vit bien là-dedans. Tout le monde qui vit bien dans la paix dans le pays d'Haïti. Mais une confrontation, elle doit être faite. Ben oui, donc, les Américains, jounen jodi a, les premières puissances du monde, sont la guerre qui est faite, la guerre civile qui est faite aux États-Unis, entre le Sud, esclavagiste, arriéré, et le Nord, moderne et progressiste. Je ne pas dire ça qu'on va faire en Haïti. Mais nous avons une confrontation qui doit être faite dans le pays d'Haïti. Parce que force fait noir pour gens qui ont détruit le monde à travers l'insécurité. Tout le monde connaît trois oligarques Pétionville qui mettent tout le gang qui a frappé dans Matissan, dans Kwale Bouquet, dans l'entrée de notre capitale. Tout le monde connaît ça. Donc je veux dire, si les Américains, les gens qui ont des gens comme ça, qui ont le problème, de Osama Ben Laden, de Kassim Soleimani, de Al-Baghdadi, des terroristes qui empêchent la société pas vivre, américains détruits. Ce n'est pas nous, même en tant que peuple, pour nous pas détruire, oligarques, ça veut dire Kassim Soleimani, pas nous, Osama Ben Laden, pas nous, qui prend pays en otage, qui empêche le développement économique. Une confrontation doit être faite avec eux. Les terroristes qui bloquent la vie et dans le monde, américains pas rien avec eux. Nous, même, nous commencer là. Pas rien dans sa cap fait là. C'est l'avenir de la jeunesse, l'avenir de 12, 13 millions de monde qui n'a pas parlé là. Nous ne pouvons pas quitter quelques grains de monde, qu'un bon système, qui a tué, qui a kidnappé, qui a volé, qui a pillé. Moi-même, je ne vais pas là demain, même pour la responsabilité. Très certainement, nous avons besoin de véritable révolution dans le pays. Et dernière question avant de vous aller, M. Lucas. Et hier soir, m'attendais, maintenant comme Saint-Just lui-même, il y a un ensemble de graves accusations qui fait sur l'ancien régime policier. Alors? Ah, qui est-ce qui veut? Est-ce que c'est Oligarque ou bien Michel et Matala? Vous pouvez pas faire ça. Son travail de diversion. Comment vous voulez, c'est Oligarque ou c'est Matala qui a pris les pour Newton Saint-Just micro radio pendant tout le monde qui a gommé pour Jovenel? Il a bloqué la radio. Son travail de diversion, vous voyez, Newton fait. Vous pensez que vous avez un groupe qui a frappé pour lui? Il a travaillé pour un groupe qui a fait diversion. Allemand de Michel et Matala. Bon Dieu, ben nous, qu'on la forme à reposer là, la fièvre la fin de moi là, et peut-être tout même, moi me font parler. Merci en pile, m'apprécie ça. Bonne journée. Bon Dieu, ben nous, qu'on bye bye.
Bon, nous attendons Justin Lucas lui-même et il gagne perception pâle par rapport avec accusation et maintenant on c'est juste à bail dans radio là sous ancien DGPNH Léon Charles comme quoi il t'a retiré en partie dans rapport là. Bon, pour Justin Lucas c'est diversion purement et simplement diversion qu'a fait. Bon, dans l'intérêt qui est diversion ça yo, qui est-ce qui mettait Newton à faire diversion ça yo pour lui. Donc li bay opinion parle sous qui est, donc il nous tendait li. Maintenant le micro est à vous. Voyons un message dans le numéro émission 3896 3819. Un message texte, m'a prend temps pour me lire. Voyons un message audio. Message audio a pas encore mieux la pi bon pour dire qui attend tout jodi an là. Dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, après gros sœur calotte ça États-Unis fin ba nous là. Parce que en pile nan nous te croit que la justice américaine t'a pral bail président Jovenel Moïse justice. Là nous tomber sous révélation ça yo comme quoi gen agent de renseignement au niveau des États-Unis FBI DIA qui yo même gen informateur qui participer dans assassinat président Jovenel Moïse, là son coup dur. Là son gros calotte ou prend. Donc numéro 1 disponible pour écrit, voyons un message audio, dis-moi qui sont parés pour faire là. Est-ce qu'on parait pour mettre plus haut à terre pour défendre la justice haïtienne? Est-ce qu'on parait pour mettre plus haut à terre pour faire rétablir justice en dedans pays? Nous pas qu'à compter ni sous États-Unis, ni sous Canada, ni sous BINU, ni sous aucun groupe. Nous pas qu'à compter non plus sous acteurs à nous gain là dans appareil judiciaire. Nous pas qu'à compter non plus sous acteurs à nous gain là dans tête administration publique là, que le premier ministre, que le ministre justice, que le ministre intérieur. Nous voyons comment l'insécurité a ravagé pays. Nous avons tout le détail, ça on pas besoin de retourner sous lui là parce que c'est fini, on va finir l'émission. Donc m'a tant voice, nous m'a tant message audio, m'a tant message écrit, viens participer, viens by point de vue sur ça qui a passé dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial nous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle. Nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, même voix.